Donc bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette nouvelle rencontre organisée par Territoires Pionniers dans le cadre de la troisième édition de Chantier Commun. Merci à la communauté de communes Coutances, Mer et Bocage qui nous accueille aujourd'hui dans la mairie de Coutances. Merci à Studio Tonus, à Radio Phoenix et à Kieran, toute l'équipe technique de Chantier Commun mobilisée aujourd'hui. Voilà, cette rencontre intitulée « Patrimoine, quelle priorité à l'heure du dérèglement climatique ?» ouvre un vaste chantier commun. Bien conscient de la complexité de ce sujet, nous avons imaginé cette rencontre suite à la résidence d'architectes que nous avons menée à Regnéville, autour du château médiéval avec le département de la Manche, durant laquelle nos regards ont évolué au fil des semaines jusqu'à reconsidérer totalement notre approche du château et de son devenir au regard des effets de l'évolution de la bande littorale. Avec cette rencontre, il s'agit aujourd'hui d'ouvrir le débat, de croiser la multiplicité des approches pour aborder ces questions. Le patrimoine étant notre héritage commun, les réponses à trouver sont certainement sur mesure et surtout collectives. Alors, quand on parle de patrimoine en Normandie, on pense bien sûr aux grands sites, le Mont-Saint-Michel et sa baie, les falaises d'Etretat, cathédrales, châteaux, plages du débarquement, vestiges de la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a aussi un patrimoine plus ordinaire, en milieu rural comme en milieu urbain, qui dessine les paysages de notre région. Patrimoine vernaculaire, façonné grâce au savoir-faire traditionnel et matières et ressources disponibles, témoignage des modes de vie des siècles passés jusqu'à aujourd'hui. Et constructions et ensembles plus récents, notamment ceux issus de la reconstruction, reconnus comme patrimoine en tant que tel et aujourd'hui au cœur des politiques publiques. On parlera aussi de patrimoine industriel, de patrimoine immatériel et bien sûr de patrimoine environnemental dont les richesses, la biodiversité sont si précieux pour le maintien de la vie sur Terre. Alors que notre perception du monde évolue radicalement et que nous entrons dans ce que certains voient comme une révolution culturelle ou un changement de paradigme, aussi importante que celle des Lumières, nos représentations de notre place sur Terre sont bouleversées et notre appréciation du patrimoine avec elles. La question se pose, quel patrimoine souhaitons-nous ? Devons-nous préserver et pourquoi ? Quelles sont les visions de nos territoires face aux enjeux et défis à relever aujourd'hui ? Et quelles sont alors nos priorités? C'est ce que nous allons essayer de discuter cet après-midi ensemble. Donc avec, alors là, on a une rencontre avec beaucoup d'invités cet après-midi. Donc pour des raisons de contexte sanitaire, nous allons tous garder nos masques et la pièce est ventilée. Donc on va rester comme ça pendant une petite heure ensemble en essayant d'être le plus respectueux des règles tout de même. Donc avec nous aujourd'hui pour échanger, Stéphanie Dupont, chercheuse au pôle inventaire général du patrimoine culturel à la direction de la culture et du patrimoine à la région Normandie. À côté, Régis Lémarie, délégué adjoint Normandie au Conservatoire du littoral et membre du GIEC Normand en tant que praticien du littoral. À côté de lui, Martial Salvi, maire de Regnéville-sur-Mer et élu à la communauté de communes Coutances, Mer et Bocage. Et à côté de lui, Olivier Chabert, directeur de l'urbanisme, aussi à la communauté de communes Coutances, Mer et Bocage, qui nous accueille aujourd'hui. Merci en tout cas une nouvelle fois. Laurence Loyer-Cambourg, face à moi, directrice de la culture et du patrimoine au conseil départemental de la Manche. Et à côté d'elle, Catherine Brunorine, vice-présidente en charge de la culture au Conseil départemental de la Manche et également maire de Genet. Voilà, on verra si dans la discussion si on parle de cet aspect-là. Et puis, pour terminer, Cyril Billard, vous êtes conservateur régional de l'archéologie adjoint à la DRAC de Normandie. Alors, pour démarrer ce vaste sujet, je vais passer la parole à Régis Lémarie pour poser un peu en quelques chiffres, quelques grandes directions, les axes observés et projetés par le GIEC Normand. Vers quoi allons-nous dans les années qui viennent? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, quelques informations sur les enjeux propres au littoral,
qui sont effectivement assez vastes déjà dans le passé et encore plus aujourd'hui. Donc si je vais resserrer progressivement, mais à l'échelle de Normandie, on a un littoral d'environ 600 km de linéaire, différentes formes de littoraux. Ça va être des littoraux de falaises. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, falaises de craie, côte d'Albâtre, falaises marneuses ou espaces dunaires ou espaces même de havre et estuaires. Donc voilà, on a une grande diversité de milieux. On a également du coup aussi différentes formes de biodiversité. Et l'espace littoral, de ce point de vue-là, est sans doute sous nos latitudes un des plus grands espaces d'une grande diversité en tous les cas, que ce soit en habitat naturel, que ce soit en faune, en avifaune, en microfaune aussi, puisque c'est un des seuls interfaces entre terre, mer, ciel qui soit justement qui donne cette richesse. C'est également du coup aussi le littoral et depuis maintenant un peu plus d'un siècle un fort lieu d'attractivité pour l'homme. Historiquement, Erugnéville en est l'exemple, hein, des zones portuaires, puis des zones résidentielles qui se sont accélérées avec le XXe siècle. En tous les cas, on prend aussi les sujets liés à l'évolution de ce littoral, on a deux tiers du littoral de la Normandie qui est aujourd'hui en voie d'érosion. Et donc là, du coup, je ne parlerai pas du conservatoire pour l'instant, mais on l'a aussi sur notre domaine. Donc c'est assez marqué, avec des secteurs où on est parfois avec des érosions ou des reculs de côte de plusieurs centimètres à décimètres par an, voilà, 20-30 centimètres, parfois plus grandes après les tempêtes. On a également des évolutions qui sont liées aussi à l'accélération parfois potentielle des événements de tempête, inondations, submersions marines, et qui, à l'horizon 2100, vont s'accélérer. Et donc du coup, la configuration notamment du Cotentin qui prend par exemple les tempêtes d'ouest peut être un élément accélérant du coup aussi les phénomènes de tempête à l'avenir. On sait également que la Manche est une mer peu profonde et avec des surcotes du coup des effets de vagues qui veulent potentiellement s'accélérer à l'avenir. Si on va sur les perspectives en tous les cas sur les données factuelles du nombre d'habitants ou des enjeux humains. Là, c'est une étude de l'INSEE. Il y a 110 000 logements, 122 000 résidents et 54 000 emplois qui sont concernés par les questions de l'aléa liées aux inondations marines. Donc, c'est un enjeu déjà colossal aujourd'hui. Ce qui a été constaté ces dernières décennies, c'est que le rythme d'élévation de la mer lié aux gaz à effet de serre qui sont rejetés dans l'atmosphère, c'est de 3 à 4 mm par an. Et l'élévation de la mer a été de 20 cm sur les 100 dernières années. Donc on est sur une tendance qui va du coup s'accélérer à l'avenir, puisque du coup, collectivement, l'atténuation est assez peu possible, puisqu'on n'a pas de diminution des gaz à effet de serre. On va être sur sans doute une accélération des phénomènes si, malgré les scénarios qui sont potentiellement optimistes. Voilà. Donc à l'horizon 2100, on parle communément entre 80 cm et 1 mètre d'élévation du niveau des océans, alors avec des variables selon les différents océans, et donc avec le renforcement de l'attractivité des littoraux et la demande très forte des Français et au niveau mondial d'accéder au littoral, on va avoir une concentration d'enjeux humains, d'enjeux de biodiversité et d'enjeux de protection des différentes formes de patrimoine à l'avenir. Avec probablement une accélération des secteurs en érosion, avec, si on revient sur des sujets du coup plus locaux, dans les zones basses, les zones humides littorales, les zones de marais, dans les estuaires, dans les havres, à la fois l'élévation du niveau des mers, à la fois ce qu'on appelle des remontées de nappes, puisque du coup, la mer étant plus haute, par phénomène de nappes phréatiques, ces nappes baisseront moins en hiver. On aura potentiellement aussi des remontées d'eau salée à travers le sable, à travers l'aquifère, et donc des questions de corrosion de réseaux, que des réseaux routiers, des réseaux, tous les réseaux qui sont aujourd'hui enterrés pourront potentiellement être corrodés. Et donc des conséquences aussi, on l'évoque peu souvent, mais pour la biodiversité, on a aussi des migrations d'espèces.
sur l'Ouest Cotentin, par exemple, ou même à Granville, de plus en plus de dorades sont pêchées, alors qu'elles n'étaient pas pêchées il y a 10 ans, enfin, ou beaucoup moins. Voilà, donc on a des migrations d'espèces marines, on a des migrations d'espèces terrestres, des migrations d'espèces d'oiseaux, on a d'évolution de la biodiversité, des espèces qui ne pourront pas migrer, donc qui vont aussi potentiellement disparaître, alors qu'elles participent aussi aux ressources primaires consommées par l'homme ou utilisées dans un modèle, je dirais, économique. Donc le défi aujourd'hui, à la fois pour le patrimoine au sens large, c'est comment avoir une vision de ce patrimoine et donc du coup, comment à la fois partager un diagnostic des enjeux et puis avoir des visions d'aménagement, des enjeux de protection, des enjeux, disons les choses, de repli stratégique, des enjeux humains qu'il va falloir sans doute à moyen terme construire des projets locaux de vision du territoire pour que il ne s'agira pas évidemment, je m'adresse à Mme Brunorine, de déplacer Tatiou en patrimoine du conservatoire, mais comment on réfléchit collectivement à des mesures de protection pour du patrimoine exceptionnel et comme vous le disiez, comment on réfléchit pour du patrimoine qui peut être considéré moins exceptionnel mais dont qui peuvent être aussi des témoins. On a parfois ce débat avec la DRAC, avec Cyril Billard sur par exemple des batteries ou des blocos qui tombent à la mer, on peut s'en désoler, mais c'est aussi un élément de repère de l'évolution du trait de côte et ça peut être un élément de perception comme quoi le littoral n'est pas un espace figé, il est mobile et il va être de plus en plus mobile. Donc le défi de demain, en tous les cas, c'est ce à quoi on travaille au Conservatoire du littoral, c'est aussi envisager avec les acteurs locaux, les élus, les associations, les riverains, d'avoir des stratégies où on accompagne les phénomènes parce qu'on ne pourra pas lutter. Là, ça va renvoyer plutôt un débat sur la place publique avec les élus sur les moyens à consacrer à des protections fortes. Bien évidemment, il va falloir protéger des espaces portuaires, économiques, Cherbourg, on ne pense pas à une délocalisation, par exemple, mais des espaces à faible densité humaine, les questions vont être posées. Elles sont déjà posées, on y travaille, potentiellement avec Cotentin et Bocage, dans le Nord Cotentin, sur les marais du Val-de-Serre, avec la profession agricole, parce que beaucoup d'espaces agricoles vont être concernés par du coup, ces mutations. Et donc, du coup, le sujet est sur la table et il y a plusieurs défis à relever. Voilà. Je n'ai pas voulu un peu noircir le tableau, mais le sujet est anxiogène et des rencontres comme les vôtres peuvent participer à mettre, je dirais, en commun des débats pour que ça sorte du regard des experts et du débat d'experts pour aller vers la société et vers les échanges avec les acteurs locaux, les élus décideurs au niveau local, au niveau intercommunautaire ou au niveau départemental ou régional, bien évidemment. On est tous concernés. Je crois que le Conservatoire du littoral aussi fait des expérimentations avec plusieurs sites tests sur la côte. Alors, vous pouvez nous en parler un peu de ces expériences ? Ce n'est pas des expérimentations parce que c'est du vrai. Hein, donc du coup, les gens avec qui on travaille ne sont pas des cobayes. Le travail que nous menons, voilà, pour le Conservatoire du littoral, l'action est à la fois très pragmatique en termes de gestion au quotidien, avec par exemple dans la Manche les gardes du littoral, les équipes du CIMEL, mais aussi on est à des établissements publics au niveau national qui portent le regard à l'horizon 2050, ce qui peut paraître complètement déconnecté justement d'une approche quotidienne, mais penser aujourd'hui et regarder un peu plus loin, c'est justement penser aussi la ligne de rivage qui sera celle de 2050 avec les données du GIEC, mais les données aussi des services de l'État, des DREAL, etc. Et on mène, alors j'ai cité tout à l'heure le Val-de-Serre, c'est un des endroits où depuis 10 ans, on a mené des réflexions, on a mené avec notamment dans le cadre d'une démarche franco-anglaise littoraux et changement côtier, il y a 10 ans, on a fait un volet rétrospectif, comment a été l'évolution du littoral dans le passé, et puis comment il est aujourd'hui et comment il sera demain. Et après cette approche, on est là, donc on a eu trois espaces comme ça dans la Manche, le Havre de la Sienne, les marais du Val-de-Serre et puis la BDV. Et dans le Val-de-Serre, c'est là qu'aujourd'hui nous sommes le plus avancés, puisque du coup, l'un des scénarios, c'était en tous les cas la perspective de rentrée d'incursion marine dans tous ces marais. Et ça s'est passé moins de 10 ans après, on l'envisageait dans 10 ans, et ça s'est passé 2 ans après la fin de ce projet. Donc aujourd'hui, on travaille avec la Chambre d'agriculture, on travaille avec les élus du Nord-Cotentin, de Fermanville à Vic-sur-Mer jusqu'à Barfleur, pour appréhender plusieurs sujets, les activités humaines,
les activités économiques, la place de l'agriculture dans ces marais qui sont en train de se saliniser, le déplacement du sentier du littoral, puisqu'il est à pleine mer en hiver, il n'est plus utilisable. Donc c'est le déplacement du sentier du littoral. Alors ce sont des micro-projets potentiellement, mais c'est potentiellement ce qui va se arriver dans beaucoup d'endroits. Et puis percevoir les modifications des milieux, les conséquences pour la biodiversité. On avait des marais d'eau douce qui étaient des marais d'eau douce remarquables du point de vue de la biodiversité. On a des marais qui sont en train de se saliniser, qui sont en train de, le cortège de biodiversité est en train de se changer très fortement. Et du coup, quelles évolutions pour demain, on est en train de les voir sous les yeux. Donc ça, c'est effectivement dans le Cotentin. On a une démarche aussi assez en cours dans l'estuaire de l'Orne, avec Quand la mer est Normandie qu'est Bourg-Pays d'Auge, penser le littoral, je dirais, de demain, sur vaste estuaire, avec du coup la volonté des deux intercommunautés de se pencher sur le sujet. Et puis le dernier espace, dernier site sur lequel nous travaillons, c'est en Seine-Maritime, dans la basse vallée de la Sanne, où avec maintenant après 10 ans de travail, les communes de Quiberville et Sainte-Marguerite, notamment, on va déplacer un camping. Le nouveau camping, les travaux vont commencer sans doute l'année prochaine. Et une fois que ce camping sera ouvert, l'actuel camping qui est inondable et submersible sera démantelé. Et on aura un troisième volet, c'est la réouverture du site à la mer. Donc voilà, ce sera sans doute le premier site en Normandie et dans le nord de la France où on aura complètement anticipé le dérèglement climatique. On sera passé d'un site inondable et submersible à un site résilient où on aura maintenu l'économie, enfin la collectivité bien évidemment. Les gens ne sont plus exposés au risque. Et on espère avoir des gains de biodiversité. Alors ça, c'est rendez-vous en 2025 parce que les travaux vont s'échelonner jusqu'en 2025. Mais il y a déjà 7 ans de travail et potentiellement, c'est des réflexions qui vont se généraliser sur ces territoires en Normandie. Les territoires littoraux, bien évidemment, il y a de la place aussi. Il y a d'autres réflexions à avoir sur les évolutions ailleurs. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Mais... Non, merci. Bah, c'était l'idée de poser le cadre et puis d'avoir une vision un peu... global en tout cas d'avoir des questionnements qui permettent de nous guider dans notre discussion. Je me tourne vers vous, Cyril Billard. Vous êtes en charge de l'archéologie, donc c'est complètement, enfin c'est pas complètement mais pas totalement, c'est un volet du patrimoine qui est en place et qui révèle aussi nos façons d'habiter nos territoires et qui étudie ces traces-là. Comment l'archéologie aussi s'adapte à l'évolution aussi de ces enjeux. Alors, en fait, il faut bien se rendre compte que le cloisonnement entre patrimoine archéologique, patrimoine bâti, patrimoine environnemental, il a tendance à disparaître, hein, puisque les enjeux actuellement, c'est des enjeux de dégradation de patrimoine bâti. Le gros enjeu actuellement, c'est celui du recul du trait de côte, c'est clair. C'est pour ça qu'on travaille très souvent avec le Conservatoire du littoral. Et donc, on a du patrimoine archéologique, du patrimoine bâti, des paysages anciens, des paysages littoraux anciens qui sont préservés sous la forme de tourbières littorales qui sont un objet d'étude. Ce qui compte avant tout, aujourd'hui, dans un premier temps, c'est d'identifier les enjeux. En archéologie, notamment, jusqu'à il y a... Depuis l'après-guerre, des archéologues amateurs ou professionnels ont arpenté les plages du département et ont déclaré un certain nombre de découvertes archéologiques parce que l'érosion, elle date pas d'hier. Donc, on a, en général, ce qu'ils faisaient, c'est qu'effectivement, on prenait quelques photos, on faisait un petit rapport, on ramassait du matériel, mais tout ça, c'était pas d'un apport important pour la connaissance. Ce qui nous a amené à changer notre vision de cette problématique-là, c'est en fait notamment le travail qui a été fait du côté des DREAL et des DDTM, qui eux ont changé leur perception du problème
en se dotant d'outils de prospective. Aujourd'hui, on est capable de dire, selon les secteurs côtiers, eh ben, ce secteur-là, il va reculer dans les 20 ans, dans les 50 ans ou dans les 100 ans. On a, notamment pour la Seine-Maritime, ils ont fait un énorme travail qui est motivé un petit peu par les problèmes de sécurité que posent l'effondrement des falaises. Mais on a ce type de document maintenant qui est en train de sortir pour le département de la Manche. Donc cet outil-là, c'est un outil de gestion du patrimoine qui est vraiment fabuleux, parce que ça nous permet d'identifier les édifices qui vont partir à la mer, et ça nous permet d'identifier les zones où potentiellement des sites archéologiques vont disparaître. Donc actuellement, on a commencé un travail qui croise ces données prospectives, cette cartographie. Voilà, on sait que à Saint-Jean-le-Thomas, la côte, elle a reculé de 400 mètres depuis la Seconde Guerre mondiale, et que très probablement, le mouvement va continuer. Par contre, dans d'autres secteurs, l'érosion, a priori, ne devrait pas avoir beaucoup d'effet. C'est assez inégal, hein, en fait. Hein. C'est très inégal. Donc nous, ça nous permet d'identifier... Alors, ce qu'il faut faire, c'est il y a un enjeu de connaissance de ce patrimoine-là. C'est-à-dire que l'action publique en direction de ces sites archéologiques ou de ce patrimoine bâti, il faut qu'elle soit réfléchie. Et donc, elle ne peut pas être réfléchie s'il n'y a pas une bonne connaissance de ce patrimoine-là. C'est pour ça qu'on a lancé des études depuis l'année dernière pour justement croiser ces deux choses-là en disant, ben voilà, où sont les sites à enjeu et où sont les littoraux qui sont les plus menacés. Et donc, c'est ce qui devrait nous permettre de guider la politique de préservation. Alors, quand on parle de politique de préservation, ça peut être quoi? Ça peut être effectivement des sites qui sont faciles à protéger, eh ben on y va. Mais ça peut être aussi des adaptations, comme ce terme-là est cher aux conservateurs du littoral. C'est-à-dire que nous, on a un terme en archéologie préventive, on a un terme qu'on emploie très souvent, qui est celui de sauvegarde par l'étude. Finalement, les sites qui sont menacés par la mer, c'est des sites qui... On a à gérer un chantier d'archéologie préventive, sauf que l'aménageur, c'est la mer. C'est la mer qui déblaie. Mais cet aménageur-là, il est pas solvable, il n'a pas de moyens. Donc c'est à l'État de pallier... C'est à nous de pallier à ce manque de moyens. Donc, sauvegarde par l'étude, ça veut dire qu'avant destruction, on va se doter des moyens d'analyse par la fouille, par des prélèvements, par l'étude. On va se doter des moyens pour réunir l'information et la conserver pour les générations futures. C'est pas un aveu d'échec, c'est simplement, effectivement, le terme d'adaptation est choisi. Après, voilà, l'administration a complètement renversé sa perception de ces problèmes-là. On le voit bien au niveau de toute la législation qui va se mettre en place sur l'adaptation au changement climatique dans les PLU, notamment. Et donc, nous, on suit ce mouvement-là. Alors, il y a déjà des sites qui sont partis à la mer. Et dans l'indifférence totale, je pense à la batterie côtière de Rétoville, qui est une batterie du XVIIIe siècle, qui, elle, est partie, a été complètement effacée du terrain. Alors, ce patrimoine militaire, il est intéressant. Patrimoine militaire au sens large, puisque la Manche est un département qui était très proche des îles britanniques, qui a vécu le blocus, etc., et qui était très fortifié dès le XVIe, XVIIe siècle.
Et donc, on a tout un réseau de petites redoutes, de châteaux. Et ça, tout ce mouvement-là, il va jusqu'au mur de l'Atlantique. Donc, le mur de l'Atlantique et ces petites redoutes d'époque moderne, elles sont en première ligne. Donc, vous avez des grands sites qui sont en gestion du Conservatoire du Littoral, souvent, qui sont déjà en partie dans la mer. Je pense au site de Néville. Voilà. Je voudrais juste. On a évoqué le poste de direction de tir de la batterie de Longue-sur-Mer. Effectivement, dans la doctrine, par exemple, dans la doctrine des monuments historiques, il y a quelque chose qui compte énormément, c'est l'authenticité. C'est pour ça que on est réticent à ce que on déplace des ouvrages. Mais est-ce qu'on aura le choix? Est-ce qu'on aura le choix dans la génération future? Est-ce qu'on laisse tomber un ouvrage qui est protégé au titre des monuments historiques dans la mer? Est-ce qu'on le déplace? Donc voilà, c'est la question de l'authenticité de ces ouvrages. Est-ce qu'on ne doit pas mettre notre mouchoir sur cet aspect-là pour conserver au moins une partie de ces sites-là? Il y a le cas emblématique que tu as évoqué, c'est celui de l'église de Varangeville, où là, effectivement, il y a déjà des projets assez pharaoniques de déplacer une église. Il y a des cas qu'on a vus aussi en Angleterre. Je ne monopolise pas la parole. Merci. Je voudrais passer la parole à Catherine Brunorine, qui est donc en charge de la culture et du patrimoine pour le département de la Manche. Ces questions de patrimoine et de dérèglement climatique, comment elles infusent dans vos services, dans votre politique au département? Peut-être que vous pouvez nous en parler. Oui, merci. Effectivement, toute la question, c'est de se dire comment est-ce que nous, on prend en compte dans nos démarches, dans nos politiques publiques, dans nos évaluations de politiques publiques, et voilà, comment est-ce qu'on prend en compte cet événement, ces événements climatiques, ce dérèglement, cette modification du trait de côte, mais ça va bien au-delà, hein, parce qu'il y a tous les risques des inondations, bref. Alors qu'on avait l'habitude plutôt de travailler en raisonnant, si je parle du patrimoine bâti, historique, hein, plutôt de se dire, ben, on est sur de la préservation, de la rénovation. Et en fait, la question qu'on se pose maintenant, c'est de se dire... Alors, rénovation, certes, ça c'est incontournable, mais pourquoi et surtout comment? Pour quel projet, quelle perspective? Et donc, le département de la Manche s'est lancé depuis quelques années, 2014, mais on a mis un petit peu l'accélérateur sur les dernières années, dans la démarche des droits culturels, qui en fait nous permet de procéder à une démarche de concertation beaucoup plus large que nous ne faisions jusqu'à présent. Donc on a travaillé vraiment avec l'ensemble des acteurs du territoire pendant plus d'une année pour aboutir à une production d'un document et une méthodologie qu'on essaie d'abord de s'appliquer à nous-mêmes, à l'intérieur des services, mais Laurence en parlera. Mais aussi, on essaie aussi avec les partenariats que l'on a de sensibiliser nos partenaires pour qu'eux aussi s'approprient cette démarche. Et donc, un exemple qui est l'exemple de Regnéville, où nous avons donc la question du château médiéval et de sa restauration. Et comment aborder cette question en prenant en compte tout ce qui a été dit précédemment. L'idée, ça a été de faire cette résidence d'architecte qui a permis en fait de dézoomer un petit peu la question du château, juste la question du château, de voir comment le château s'inscrit dans son territoire d'un point de vue historique, la liaison avec les fours à chaux. Fours à chaux, patrimoine, où on a fait des résidences d'artistes, donc où aussi là, il y a une évolution. Mais comment ça s'inscrit aussi dans la vie du territoire, dans son agriculture, dans les savoir-faire, et puis quelles sont les perspectives. Donc là, on a fait une concertation très très large qui a été menée par l'équipe en place, qui a été un peu plus longue à cause de la crise sanitaire, donc ça a duré une année, ça s'est étalé sur une année. Et donc, on s'aperçoit en fait que ce soit les habitants, les associations, les commerçants, les acteurs du territoire, les touristes, les,
les résidents qui ont résidence secondaire, mais aussi les communes à côté, la communauté de communes, les scolaires, tout le monde a quelque chose à dire. Il y a à la fois des inquiétudes, mais il y a aussi des attentes, des envies, voilà, qui se sont exprimées pendant cette expérimentation. Voilà, donc on est là. Là, on peut parler d'expérimentation pour le coup, même si c'est très réel, parce que pour nous, c'était un peu une première. Alors même si on a cette démarche-là sur nos propres politiques, je pense au schéma des enseignements artistiques, voilà, au schéma de la lecture publique. Là, on était dans quelque chose d'un peu différent, puisqu'on n'est plus alors propriété du département, certes, mais on est vraiment dans un dispositif et dans une réflexion beaucoup plus large avec la commune et voilà, avec tous les acteurs que j'ai cités. Donc voilà, c'est nous aussi on évolue et on essaie de voilà, d'avoir un regard, un angle d'attaque très différent de ce qu'on pouvait avoir jusqu'à présent. Et juste par rapport à ce qui a été dit, si je peux rebondir tout de suite sur ce que vous avez dit, aussi bien le Conservatoire du Littoral que Cyril Billard, puisque vous avez parlé de Saint-Jean-le-Thomas et vous avez parlé de la baie du Mont-Saint-Michel. C'est vrai que, alors nous, c'est pas un havre, hein. Moi je suis maire de Genève, peut-être que ça le deviendra par contre, c'est une évolution éventuelle, possible, potentielle en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. On concentre un petit peu tout ce que vous avez évoqué, à la fois le risque du cordon dunaire au niveau de Saint-Jean-le-Thomas, et puis la mer qui passe dans le marais de la Claire-d'Ouve, donc qui concerne les communes littorales, y compris la mienne. On a la montée de la mer dans les rivières et donc cette salinité dont vous parliez qui va modifier aussi toute la vie qui pourrait être vraiment en grande mutation. Et puis on a toute la réflexion de la protection des biens et des personnes avec une commune comme la mienne qui est quasiment au niveau de la mer, donc un mètre de plus c'est énorme, enfin c'est une modification pour tout le village qui serait en partie sous l'eau. Voilà, et donc on a actuellement des démarches avec les services de l'État, on fait un PPRL, un plan préventif des risques littoraux, qui nous montre aussi l'évolution dont vous parliez. Donc ça, c'est des projections, mais c'est vrai que ça fait, quand on met ça sur le papier, ça fait un peu peur. Et donc, les collectivités vont devoir intégrer tout cela, planifier cette évolution à travers nos documents d'urbanisme. Et puis, de toute façon, ça va nous être imposé dans le projet de loi climat et résilience, hein, où il va falloir qu'on puisse déterminer des zones de repli du bâti. Alors, c'est des choses qui vont se faire avec le temps. Mais voilà, c'est une vraie révolution. Et tout ça dans un climat très anxiogène, comme vous le disiez, des populations. Là, on a vu cet hiver avec la pluviométrie importante, les inondations. Et tout est très exacerbé. Voilà, parce que je pense qu'on a tous pris conscience de l'évolution, du danger qu'il pouvait y avoir. Danger pour les personnes et les biens, j'entends, hein, parce qu'à l'échelle de notre humanité, c'est rien du tout. Mais voilà, donc on doit traiter à la fois ce danger potentiel, répondre aux urgences et quand même essayer de prendre un peu de recul et anticiper d'une manière ou d'une autre, en tout cas avec les moyens qui nous sont donnés et nos compétences en tant qu'élus. Voilà, donc c'est un vrai défi, je pense, pour cette nouvelle génération d'élus. Et voilà, il va falloir qu'on construise ça tous ensemble, mais on est vraiment tous très conscients et très impactés par ce changement climatique. Vous parliez tout à l'heure du rôle des collectivités. J'ai envie de me tourner vers Olivier Chabert, directeur de l'urbanisme à la communauté de communes Coutances, Mer et Bocage, qui travaille justement à l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal. En quoi cet outil réglementaire et imaginer ou peut être un outil levier pour imaginer préserver le patrimoine dans tous les sens en fait du terme et quels arbitrages justement comment sont faits les arbitrages pour l'élaboration de cet outil. Merci Elisabeth, bonjour à tous. En fait, le PLUI en tant qu'outil réglementaire, avant d'être un outil réglementaire, c'est un projet. Et je pense que là, ce qui fait sens dans ce qu'on entend depuis tout à l'heure, ce qui est partagé, hein, c'est dans les priorités, justement, comment on se projette. Il y a plusieurs choses qui ressortent. Il y a d'abord comment on travaille ensemble.
Aujourd'hui, on voit que de toute façon, on ne peut plus travailler chacun dans son coin, ce n'est plus possible. Le projet en fait, qui est mené aujourd'hui par l'intercommunalité, qui est soutenu par les élus, hein, c'est de se dire aujourd'hui, on avance tous ensemble et on interroge les solidarités, c'est-à-dire que le changement climatique, les évolutions auxquelles on doit faire face, les défis et les enjeux qu'on doit relever, c'est vraiment ce qui fait sens et ce qui amène justement à recomposer ces solidarités. Le lien entre les communes littorales et les communes rétro-littorales. Le réchauffement climatique, l'évolution du trait de côte, ce n'est pas que l'affaire des communes littorales. Ça interroge aussi les solidarités. On parle, quand on parle de recomposition de territoire, quand on parle, on entendait tout à l'heure, repli, relocalisation, etc. C'est se projeter. L'aménagement, en fait, pour travailler dans l'aménagement, on a besoin, hein, comme le disait tout à l'heure Régis Lemary ou Catherine Brunerine, on a besoin de se projeter. Pourquoi on se projette ? Parce que l'aménagement, en fait, il construit le patrimoine de demain, en tout cas le patrimoine humain. Hein. Il s'inscrit dans un patrimoine qui est un autre type de patrimoine, qui est un patrimoine naturel, notre planète, en fait. Et donc, c'est essayer d'allier ça aussi. Quelle nouvelle solidarité on construit aussi ? Comment on change les paradigmes ? Et aujourd'hui, dans la transition qu'on vit, hein, le PLUI, chez nous, il interroge, en fait, ces changements, il interroge cette transition. C'est-à-dire aujourd'hui, ce qu'on faisait, la manière dont on abordait l'aménagement jusqu'à maintenant, on peut plus continuer en fait de cette manière-là. En fait, on voit bien la terre, elle est finie, nos ressources, elles sont finies. Le foncier, c'est pas une ressource renouvelable. Le foncier, c'est une ressource qui est finie. Et donc, dans la loi résilience climat qui est en cours d'élaboration, la question du foncier, elle est aussi au centre hein, du projet. Hein, donc, c'est comment on fait pour aujourd'hui aménager en ayant moins de foncier, surtout sans foncier, entre guillemets, pour éviter de s'enfoncer, sans foncier. Voilà, ce petit jeu de mots. Mais d'une certaine manière, en fait, aujourd'hui, l'aménagement, c'est vraiment se projeter vraiment très, très loin dans l'avenir pour se dire, bah, tiens, demain, un mètre de plus d'élévation du niveau de la mer, est-ce que ce qu'on a imaginé, donc, est-ce que ça tient toujours ? Et donc, notre travail, c'est aussi de pouvoir accompagner nos élus hein, pour qu'ils puissent construire une vision de long terme, alors qu'on est aujourd'hui bah, sur la vie quotidienne, la vie des gens. Aujourd'hui, on vit sur un territoire, on a une façon de vivre, et c'est comment on entraîne ce mouvement-là, en fait, au-delà de la prise de conscience. Et la prise de conscience, après, elle permet justement l'action. Alors, le territoire, il a une histoire avec la mer, hein, et la mer, elle est là. Et, l'idée, c'est plus de se défendre, l'idée, c'est plus de se dire on va combattre la mer. L'idée, c'est de se dire aujourd'hui, bah, on vit avec la mer. Comment on vit avec la mer ? Comment on vit avec le risque ? Les plans de prévention, etc. Et donc, nos élus, en fait, ils se sont mis en dynamique, en fait, par rapport à ça. Il y a eu des appels à projets avec la région, justement, notre littoral pour demain. Ça a permis aussi d'emmener l'ensemble des acteurs du territoire à réfléchir, à se comprendre, à construire un langage commun hein, par rapport à ce bien commun, notre patrimoine. Hein. Et puis après, petit à petit, ça a entraîné aussi dans ce sillon des prises de conscience. Et Coutances Mer et Bocage a été sollicité. C'est engagé dans un contrat de transition écologique, c'est engagé dans d'autres plans et programmes. Il y a le PLUI, bien évidemment, le plan local urbanisation intercommunal, le plan climat et énergie dont vous avez parlé. Il y a d'autres plans et programmes, contrats de territoire et climat, etc. Il y a tout un ensemble de plans et programmes. Et c'est aussi aujourd'hui, quand on parle de solidarité, c'est aussi de cohérence en tous ces plans et programmes. Et donc ça re-questionne aussi nos façons de travailler en transversalité et en partenariat. En transversalité parce que ce qui est travaillé dans un plan bah, doit être cohérent avec ce qu'il va y avoir dans l'autre, les stratégies mobilité, etc. Ce qu'on fait en fait nous au niveau communautaire, bah, comment c'est cohérent avec ce qui se fait aussi en commune, comment c'est cohérent avec ce qui se fait au niveau du département, comment c'est cohérent avec ce qui se fait avec la région, etc. Et on voit bien que cette cohérence et cette solidarité, elle est aussi interterritoriale. Et donc, le réchauffement climatique, il nous interroge sur des échelles de temps, comment de pas de temps, on va se préparer, on va anticiper, et en se projetant le plus loin possible, on va se dire, bah, tiens, pour arriver là, voilà les étapes.
Et comment aussi cet emboîtement d'échelle, et ça c'est aussi propre à l'urbanisme, hein, parce qu'on est soumis à tout un ensemble de schémas, de plans du niveau national avec la réglementation nationale jusqu'à le schéma régional, etc., jusqu'à les schémas de cohérence territoriaux, les plans locaux d'urbanisme intercommunal, etc. C'est tout un emboîtement en fait. Et aujourd'hui, on avance en fait. On avance avec ce partenariat, ces échelles de temps, d'espace, etc. Ce qui en fait introduit la complexité. Peut-être qu'il y avait moins avant dans les échelles sur lesquelles on travaillait, hein, l'échelle communale, etc. On introduit la complexité et on introduit aussi le lien entre le global, c'est ça le développement durable, le global, la planète, etc., et le local. C'est-à-dire les idées, les grands axes de travail au niveau planétaire, comment aujourd'hui, nous, au niveau local, on s'en saisit et qu'est-ce qu'on produit au niveau local. Et ça, c'est tous ensemble, en fait. Donc, du coup, on travaille avec le conservateur du littoral, on travaille avec le département, on travaille avec les communes pour essayer de trouver quelque chose qui fasse sens, donc qui rejoigne les enjeux, le bien commun, notre patrimoine, en fait. Voilà, et donc le PLUI, c'est un peu ça, c'est un peu justement essayer d'assembler toutes ces composantes pour en faire un projet et d'arriver après à traduire ce projet en cadre réglementaire, mais qui fait sens, c'est-à-dire qui va permettre au projet d'avancer, de permettre d'emmener en fait l'ensemble des acteurs, mais aussi des habitants, à aller dans la réponse aux enjeux, aux défis, en fait, voilà. Merci, vaste chantier. Je vais passer la parole à Laurence, donc avec qui on a cheminé justement sur la Renierville, en lien justement avec le musée maritime, avec le château, avec le patrimoine là, à la fois matériel bâti, mais historique, et aussi le patrimoine immatériel, les savoir-faire liés à l'habiter cet endroit précis de la Manche, cet endroit précis du territoire. Je crois que au sein du département, vous avez aussi une politique au sein des services de sensibilisation à ces questions de l'évolution des enjeux et de la richesse aussi du des données et du patrimoine local et de sa transmission aux habitants. Peut-être vous pouvez nous déployer un peu ce que vous menez au sein de la direction de la culture. Oui, effectivement. Alors, l'enjeu, c'est avant tout l'implication et comment transmettre ces connaissances dont on a parlé, hein, qui sont très importantes, comment les transmettre ensuite à l'habitant. Donc, quelles sont les démarches possibles? Alors, Catherine a évoqué effectivement toute la réflexion qu'on a conduite au sein à la fois des directions et puis beaucoup plus largement auprès des acteurs de la culture autour des droits culturels. Donc, la question des droits culturels, ce n'est pas simplement l'accès à la culture, hein. Mais c'est comment ensemble on construit et on chemine demain pour avancer et penser tous ces enjeux-là. Alors c'est vrai que la question de cette responsabilité sociétale, tu l'as évoqué Olivier, c'est l'intersectoralité, c'est effectivement dans les collectivités, il faut que l'ensemble de ce qui est conduit à la culture, à l'environnement, en communication, enfin tout ça soit cohérent. Donc là, il y a du travail à faire. On a encore à améliorer le propre travail au sein même des collectivités. C'est encore un enjeu. On est en train d'ouvrir ce chantier-là. Et puis au sein propre même de nos propres directions, et donc au sein de la culture, c'est d'engager aussi les équipes de manière volontaire dans ces démarches de responsabilité sociétale, de partager ces connaissances, qui soit de l'intime et qui soit du collectif, pour arriver nous-mêmes dans nos actions et dans l'accompagnement des politiques publiques que l'on accompagne au fur et à mesure des projets, qu'on intègre toutes ces notions et qu'on les partage avec les acteurs avec lesquels avec lesquels on est sans arrêt en communication. Donc c'est vrai que on le fait au sein de la culture sur les questions de lecture publique, d'enseignement comme artistique et culturel, comme l'évoquait Catherine Brunorine. Aussi au sein même du spectacle vivant, comment on est responsable aussi quand on conduit une manifestation sur un territoire, quels sont tous les enjeux qui doivent être posés, quel est l'impact même de cette action-là sur les populations et sur le territoire et sur le patrimoine naturel.
Voilà, donc c'est un peu toutes ces questions que l'on se pose, cette interconnaissance qu'on essaie en tout cas de partager, parce qu'avant tout, il faut que les consciences évoluent, il faut qu'on chemine. Alors on l'a dit, hein, il faut travailler effectivement de manière intersectorielle, de manière aussi partenariale avec l'ensemble des niveaux de collectivité, mais il y a tout le monde associatif, toutes les parties prenantes, comme on les appelle hein, dans les droits culturels, qui sont importantes et comment on les amène au débat. Qu'on n'est pas toujours les mêmes personnes, comment on arrive à petit à petit capter, interpeller et faire débat. Et faire, parce qu'on n'est pas sur des consensus, on est aussi sur du débat. Il faut amener des associations qui ont une réflexion très... on va dire très, très, très unique, par exemple, d'un élément du patrimoine qu'ils considèrent immuable, les amener à d'autres réflexions. On l'a évoqué autour du château de Renéville, monsieur le maire y reviendra sûrement, mais c'est vrai que ce château qui est emblématique, qui a protégé pendant des siècles et des siècles notre littoral, qui est un symbole de la commune, eh bien, dans quelques années, il aura les pieds dans l'eau. Donc, quel usage aujourd'hui on peut en faire dans ces années qui sont encore possibles, mais comment penser les usages et les aménagements de manière résiliente ou en tout cas de manière raisonnée. On n'est plus du tout dans un entretien ou dans une réhabilitation d'un patrimoine comme il était autrefois. Aujourd'hui, on n'est plus dans ces questions-là, mais ça, on se le dit, on en est convaincu. Mais comment le partager avec les populations qui pour elles, pour certaines en tout cas, était de dire mais non, il faut absolument préserver comme c'est, et puis ce sera immuable, et bien non. Aujourd'hui, on a, voilà, les questions sont tout autres. Et puis la question aussi de la création, je voulais peut-être intervenir là-dessus, parce que c'est vrai que pour nous, à la culture et au département, la création artistique, en tout cas les artistes, peuvent nous amener, nous aider, accompagner les populations à avoir justement un peu ce zoom dont vous parliez tout à l'heure, un peu ce regard extérieur et amener les populations à peut-être évoluer dans les réflexions, peut-être chahuter, bousculer un peu les idées reçues. Et donc c'est vrai que le lieu de résidence qu'on a à Renéville, c'est un lieu qui accueille des artistes tout au long de l'année, qui bien sûr s'inspire et rencontre les populations du département de la Manche et celle de Renéville, et peut-être aussi elles-mêmes permettre cette évolution des réflexions, des consciences, petit à petit, grâce à la création. Voilà, donc c'est à la fois par plein de biais qu'on essaie de travailler ces questions-là. C'est complexe, ça demande du temps, ça demande beaucoup de temps et d'ouverture d'esprit aussi, et d'humilité, parce qu'on est face à des enjeux qui sont colossaux. On a aussi des connaissances qui évoluent. Rien n'est figé, mais on sait que voilà, on sait quand même qu'on va dans, que l'évolution du climat, il est bien, le dérèglement est bien là, et qu'il faut il faut l'aborder en essayant d'être le moins anxiogène possible, en essayant d'être un peu plus constructif possible. Voilà, c'est un peu les démarches qu'on conduit, et au sein à la fois des équipes, des directions, et puis impliquant tous les acteurs de la culture. Alors, monsieur Salvi, vous êtes arrivé à la tête de la commune de Renéville lors des dernières élections. Et du coup, vous êtes arrivé aussi avec l'envie de, j'imagine, construire un projet qui vient répondre aux enjeux dont on parle aujourd'hui. Comment, avec les habitants, vous mettez, et avec votre équipe, vous mettez ça en place sur le terrain ? Parce que c'est aussi cette idée-là de parler de ces sujets et de mettre en place des actions aussi partagées sur le terrain. Oui, je veux dire qu'on a, le changement de municipalité a permis d'avancer sur ces questions-là. Non pas que l'équipe précédente n'était pas sensible à ces questions, mais il y a eu un rajeunissement de l'équipe municipale. Et puis un apport de personnes qui sont sensibles à ces questions, peut-être plus que d'autres. Donc c'est une opportunité qu'il faut savoir saisir. C'était bien. On sent qu'il y a une volonté d'action. Alors évidemment, parler d'action dans le contexte sanitaire, c'est un petit peu difficile, hein, honnêtement. Hein. Enfin, j'en plaisante, mais vraiment, c'est très lourd parce qu'on avait des projets.
qu'on avait commencé à mettre en place. On a fait des réunions participatives où justement, avec des ateliers, et il y avait des ateliers qui portaient bien évidemment sur l'environnement, sur le dérèglement climatique, sur le devenir du château. Les apports ont été très intéressants, mais ont dû cesser puisque, devant l'impossibilité de réunir la population, on n'a pas pu réitérer ces consultations comme on le souhaitait. J'ai envie de dire, il y a des choses qu'on... La résidence nous a permis d'engager aussi des actions de fond. Ce que je veux dire, c'est qu'on a engagé des actions qui dépassent la seule réflexion et la seule sensibilisation. Parce que, d'une part, la population a pu prendre part au débat, a pu témoigner, a pu dire « nous, on a connu ceci, nous, on aimerait connaître cela ». Donc ça, c'est déjà une première étape très importante. La deuxième étape qu'on voudrait, sur laquelle on voudrait avancer, c'est faire avec la population. Moi, je crois que c'est bien de réfléchir avec la population, mais je pense que dans certains cas, on réfléchit pas aussi bien que quand on agit en même temps. Après, faut-il réfléchir avant d'agir, ça, je vous laisserai disserter là-dessus. Mais il y a des moments, le faire est vraiment, il est fédérateur, il est formateur, et puis il ouvre des horizons. Donc ce qu'on aimerait, c'est faire. Donc on a voulu faire un chantier participatif pour replanter une haie, le département et la commune. De nouveau, nous avons été coupés dans notre élan par l'impossibilité de réunir plus de 6 personnes. Donc on a fait 2 groupes de 6 et avec une population très réduite. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu faire appel à des volontaires de la commune. Donc on avait les représentants de la commune et puis du département. Laurence et moi-même étions voisins sur le chantier. Mais on s'en est remis, ne vous inquiétez pas. On voudrait multiplier ces chantiers. Donc on a des projets. Il s'agissait de reconstituer une haie, puisque certaines haies ont disparu. On sait l'importance des haies, on a tous un diagnostic partagé là-dessus. Donc voilà, ça c'était un chantier. Pour l'anecdote, il y a quand même 2 personnes qui sont venues, qui avaient appris qu'on avait ce chantier-là, et qui ont dit, mais nous on vient, je vais chercher ma pioche, ma bêche. Voilà, donc il y a une volonté de participer. Donc ça permet de réduire un petit peu la complexité. On a d'autres projets, on a un projet de verger communal, verger participatif. On ne sait pas encore exactement comment on va le développer. Il se trouve qu'on a des terrains qu'on a la volonté de travailler et la biodiversité et la conservation de certains savoirs, savoir-faire, et puis en même temps travailler la solidarité, le travail d'équipe, le partage de savoir, puisqu'il y a quand même beaucoup de personnes sur la commune qui ont planté les arbres, qui en plantent encore, et qui ont sans doute à apprendre aux nouvelles générations. Là aussi, ça permet, me semble-t-il, de réduire l'anxiété. Donc, autre aspect pour réduire l'anxiété, ça je le demande parfois dans les réunions, je dis, donnez-nous des outils pédagogiques. Parce que les diaporamas qu'on voit parfois, même pour des élus, aussi cultivés soient-ils, la compréhension demande un énorme effort et puis du temps. Donc on se dit comment on va retraduire ça auprès de nos administrés et de nos concitoyens. Et donc on a besoin d'outils pédagogiques pour réduire un peu cette anxiété qu'on perçoit. Moi, je trouve qu'elle a... Elle s'est diffusée dans la population, même une population qui était climato-sceptique, il y en a toujours une partie, mais je pense que c'est pas une cause, mais c'est une connaissance qui gagne du terrain. Et, chez toute la population, quelle que soit la classe sociale, mais on ne dit plus comme ça, quel que soit le niveau social et le niveau de culture. Les deux étant liés souvent d'ailleurs, mais ça c'est une autre affaire. Donc on essaie de gagner là-dessus sur une population qui est réduite. Là aussi,
une anxiété, on a effacé une autre, puisque l'anxiété plus immédiate du sanitaire a fait que, pour certains, ils commencent à trouver que la question climatique devient secondaire par rapport à l'urgence. Hein. Mais je crois que le pas a été fait, vraiment. Maintenant, il faut mettre en œuvre. Par rapport au patrimoine de la commune, ce qu'on a appris pendant la... ce qui a été démontré pendant la résidence, c'est que il y a énormément de connaissances sur le patrimoine existant dans la population par transmission. Certaines personnes sont allées rechercher des archives, sont venues témoigner de choses qu'elles avaient connues. Alors ça participe parfois d'ailleurs de la réduction de l'anxiété. Hein. Moi, j'ai un voisin qui me dit mais vous savez, on a déjà été inondé ici dans le temps, donc on voit à peu près comment ça se passe, on voit ce qu'il faudrait faire. Donc on est dans le partage de savoirs anciens, ancestraux, qu'il ne faut pas perdre. Et sur ces savoirs ancestraux, les Camille et Rémi, les deux résidents, ont permis d'imaginer des dispositifs qui pourraient paraître un peu utopistes, idéalistes, mais qui, je crois, répondent à des problématiques de dérèglement climatique. Je pense à des éoliennes, je pense à des pilotis, je pense à la remise en route de fours. Alors on voit bien aussi là l'intérêt de fours à pain pour le village, on voit bien aussi là l'intérêt de l'aspect sociologique, de l'aspect solidaire de ces projets. Voilà, donc on a, au bout du compte, gagné beaucoup, je trouve, avec des projets tout à fait intéressants. On va essayer de les mener, plus ou moins. Dans l'immédiat, moi, ce qui me semble, par rapport de façon plus réduite sur le château, moi, ce que je souhaite vraiment, c'est que ce château vive. Vive par ses habitants. Donc il ne s'agit pas, je dis toujours, c'est pas Chambord, c'est pas Versailles, tous ceux qui l'ont vu s'en rendent compte, évidemment, mais ça n'a pas cette vocation de témoignage strict du passé, d'un passé fastueux. Il n'est pas fastueux, il est magnifique, évidemment, il y a des aspects architecturaux qui sont tout à fait singuliers et admirables, mais il manque de vie. Et je crois que l'aspiration de la population, une grande partie de la population, peut-être toute, on peut rêver, c'est que ce château vive plus souvent que pendant les deux, trois mois d'été, où là, il y a une vie, c'est vrai, qui est au bout du compte un petit peu pas artificielle, mais un petit peu déconnectée du quotidien. On verrait bien des activités. Alors, on a des projets hein, avec Rémi et Camille, et ils nous avaient, si vous voyez là, leur livret, à la fin du livret, il y a un descriptif de ce que pourrait être le château, avec des annexes, avec des activités commerciales, des activités solidaires, etc. Donc c'est un peu le schéma qu'on aimerait bien mettre en œuvre. Et moi, je pense que, pour revenir à ce que je disais au départ, si on fait dans le château, on trouvera des solutions pour imaginer un avenir pour ce château, qui ne sera pas de maintenir le château tel qu'il est, surtout s'il a les pieds dans l'eau, mais il aura un avenir construit avec la population. Merci, je vais faire la transition entre ce que vous disiez sur les fours à pain. En fait, il y a un certain nombre de... un petit patrimoine, je veux dire, quotidien ou artisanal ou industriel. Je vais faire le lien avec les travaux, en fait, de Stéphanie Dupont au sein de l'inventaire de la région sur, justement, ces outils d'autonomie que sont un patrimoine industriel, un patrimoine artisanal qui est là et qui est souvent en désuétude, qui est complètement ignoré aussi, souvent, parce qu'on a l'impression que c'est des bouts de mur ou des bouts de ou trop récents pour pouvoir être considérés comme du patrimoine. Et finalement, dans cette idée de résilience ou d'autonomie regagnée au niveau local, ce patrimoine relevé par l'inventaire dans le cadre de son activité pourrait être aussi support à cette à des solutions au niveau local, peut-être. Stéphanie. Bonjour à tous et à toutes. Donc oui, donc la mission de l'inventaire, qui est une compétence obligatoire des régions françaises,
a donc pour but de mettre en valeur, effectivement, de révéler en fait un patrimoine qui n'est pas forcément connu, en tout cas reconnu de ses habitants et de la population, puisque le slogan de l'inventaire, c'est d'étudier, de recenser, d'étudier et de faire connaître tout le patrimoine historique et architectural de la France. Et ceci doit s'étendre alors, de la cathédrale à la petite cuillère. Alors ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'en fait on étudie tout, sans réel jugement de valeur. Voilà, c'est en gros qu'est-ce qui fait patrimoine et qu'est-ce qui peut le devenir, puisque c'est aussi le rôle que André Malraux nous a donné à la création de l'inventaire, c'est de faire émerger des nouveaux patrimoines. Donc le château, l'église, bien sûr on va l'étudier, mais pas seulement. Ce qui nous va nous intéresser aussi, c'est tout ce patrimoine industriel dont j'ai la charge pour la partie de la Normandie occidentale, et qui est souvent un patrimoine quand c'est un joli petit moulin est apprécié, quand c'est une usine un peu en déshérence et en béton, elle n'a pas forcément ce même accueil. Et pourtant, pour nous, ça a la même valeur. C'est de se dire que voilà, c'est une trace de mode de construction des gens qui sont venus avant nous. C'est un mode de vie, de production, puisque une usine, elle ne s'installe pas n'importe où et n'importe comment, en tout cas pendant de longs siècles. Et ce rapport à la nature, il est là depuis très longtemps, en fait. Il n'y a pas d'opposition, on va dire, entre patrimoine bâti et patrimoine naturel, puisque les moulins s'y installent parce qu'il y a de l'eau. On développe une industrie parce qu'il y a une matière première et puis parce qu'il y a des habitants qui vont devenir des ouvriers. Et tout ça, c'est quelque chose qui peut perdurer ou peut se renouveler. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le patrimoine, par exemple, des moulins, c'est un patrimoine qui pourtant est fragile à l'heure actuelle par d'autres lois environnementales, qui notamment la restauration de la continuité écologique. Voilà, c'est savoir aussi, tout à l'heure on parlait de transversalité, c'est de préserver, mais d'adapter. Voilà, c'est de se dire il faut aussi que tous les services, que ce soit dans les départements, dans la région ou au niveau de l'État, se parlent pour savoir ce qui est la priorité. Et elle n'est pas toujours la même suivant les endroits. Voilà, ça c'est un fait. Et puis il y a, par exemple, on disait le moulin, c'est l'image du meunier, mais c'est avant tout une force hydraulique. C'est quelque chose qui met en place et qui active un moteur. Donc ça peut servir à plein de choses différentes. Ces moulins, ils sont souvent devenus des habitations et peu ont conservé leur système d'engrenage ou des systèmes de meules, par exemple. Donc leur réactivation, elle est possible, mais elle n'est pas généralisable, par exemple. Et puis le patrimoine industriel, c'est quelque chose par contre qui peut être un atout, puisque même désaffecté, il a des propriétés de construction qui fait qu'il peut être réadapté à beaucoup de choses. Donc ma collègue en Haute-Normandie, Emmanuel Réal, a procédé à toute une étude sur la reconversion notamment de la patrimoine industriel de Seine-Maritime et d'Eure. Et on a montré effectivement que c'était des lieux qui pouvaient devenir des lieux d'habitation, des lieux de culture, donc des lieux de partage. Et je pense que c'est aussi ça qu'il faut voir dans le monde du patrimoine industriel. Et puis, dans l'idée aussi de la conservation, tout à l'heure, on se disait qu'il faut conserver, en l'état, pas en l'état, adapté. La mission de l'inventaire, c'est avant tout d'être un outil de connaissance. Donc, on accumule de la donnée qui doit servir aussi bien à des valorisations touristiques qu'à de l'aménagement de territoire. Voilà, on peut identifier effectivement quand on change quelque chose, est-ce que c'est important de le garder ou pas, mais c'est surtout d'en garder une trace mémorielle. On sait au moins, quoi qu'on fasse, que ce bâtiment, que cette chose a existé, pourquoi on l'a construite, qui l'a construite et qui l'a fait vivre. Et dans une autre optique, l'inventaire participe à la chaîne patrimoniale, donc avec les services de l'archéologie ou les services des monuments historiques. Mais nous n'avons pas de compétences réglementaires. Nous, c'est et ce qui peut aussi, quand on mène des études sur le terrain, nous faciliter à l'entrée de certains sites, puisque on n'arrive pas en disant on va faire, parce que les gens ont peur quand on arrive souvent en disant vous m'étudiez, ça veut dire que maintenant je vais devoir rester figé. C'est pas le cas. Nous on est là pour apporter une connaissance à un moment donné. Et le fait de travailler sur du patrimoine industriel qui est un patrimoine mouvant,
quand il est encore en activité, c'est aussi cette forme d'adaptabilité qu'a le patrimoine. Puisque une usine qui va s'être développée dans les années 30, par exemple, avec des bâtiments d'une certaine époque, d'une certaine savoir-faire constructif, eh ben, rien ne va empêcher l'entrepreneur d'y construire à côté un hangar, beaucoup plus simple, mais parce que plus adapté à ses besoins. Et l'idée, voilà, c'est que le patrimoine en général, il peut être conservé, il peut s'adapter sans souci, tant qu'on le respecte. Et donc là, c'est aussi le rôle des inventaires, des CAUE, de dire voilà, ce qui est bon d'être fait ou d'être préservé. Je travaille aussi également sur du patrimoine de la reconstruction, où on sent bien la fragilité, parce que l'adaptation aux conditions de vie modernes fait qu'on veut changer certains éléments constructifs. Une fenêtre, si elle est en PVC, on estime qu'elle sera plus protectrice. Sauf que voilà, c'est ce qui fait l'identité de ce bâtiment, c'est des petites choses. Et donc l'idée, c'est si on modifie les choses, il faut en garder les traces et l'aspect physiologique, en fait. Donc voilà, l'adaptabilité, elle est en grande, mais il faut savoir sur quoi on travaille et sur les priorités qu'on se donne. Et là, on revient à ce que disaient aussi beaucoup d'entre vous sur ce projet commun, des valeurs communes, une vision commune, mais surtout construite ensemble tout au long de son élaboration. Je regarde, je ne sais pas quelle heure il est... je pense qu'on a déjà un peu débordé notre temps de discussion. Peut-être, Kiaran, est-ce qu'il y a une ou deux questions ? Alors, on a une question en ligne qui, je pense, qui pourrait s'adresser à vous, Monsieur Lemary. Elle porte pas spécifiquement sur la question du patrimoine, mais plutôt sur les questions d'évolution du trait de côte. Donc, c'est un internaute, je vous lis son témoignage. J'habite en bord de mer entre Kétéou et Morsaline. Depuis 10 ans, je vois le trait de côte évoluer, mais pas toujours dans le sens de l'érosion. Entre Morsaline et Homeville-Lestre, des cordons de galets et de coquillages se sont installés, grandissent et s'allongent au fil des ans. À l'abri de ces cordons, des polders naturels se créent et les herbus s'installent. Dans quelle mesure ces polders naturels protégeront ou non les terres qui sont derrière ? Ah, c'est une très bonne question. Effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux tiers du littoral de Normandie qui est en érosion, et puis il y en a un tiers qui est ou stable ou ce qu'on appelle en accrétion, en gain. Ça va dépendre de la configuration du littoral, des zones qui sont abritées. Effectivement, l'anse du Cul-de-Loup, cette partie-là du Cotentin, elle est abritée des vents dominants. On est sur des courants qui ramènent des sédiments. On a la même chose, par exemple, dans l'estuaire de l'Orne, la rive droite, les dunes de Merville-Franceville, elles gagnent sur la mer. Plus proche ici, on a de l'érosion sur la partie Regneville, Montmartin, etc. Mais toute la pointe d'Agon, elle est en accrétion, elle se déplace. Donc voilà, il y a des secteurs qui sont en gain, il y a des secteurs qui sont en perte. En fait, ça nous donne l'information que le littoral n'est pas stable. Stable où on l'a longtemps pensé comme étant figé. Et c'est pour ça que l'expression trait de côte donne l'image d'un trait de la côte. Sauf que ce n'est plus un trait, c'est un espace dynamique. Et comme l'a rappelé Cyril Billard, les travaux des archéologues et les travaux des géologues nous ont montré qu'en fait, ces différentes strates, à la fois spatiales et temporelles, on l'avait oublié. L'homme du XXe siècle, et je dirais presque, ce qui est intéressant à Regneville, dans beaucoup de communes, on avait un secteur historique où l'homme ne s'était pas implanté dans des espaces à risque, inondables, submersibles. Et puis, le XXe siècle particulièrement, mais ça a un peu commencé avant avec les installations, le tourisme balnéaire qui a commencé avec l'influence des Anglais, etc. On ne va pas faire un cours d'histoire. Mais ça s'est vraiment accéléré, les congés payés, la Seconde Guerre mondiale, les résidences secondaires. Et on s'est affranchi collectivement parce qu'il y a aussi une culture industrielle, la culture de l'ingénieur. On a trouvé les moyens économiques, les moyens technologiques de pouvoir s'implanter là où potentiellement on constate aujourd'hui qu'on s'est exposé. Et aujourd'hui, on a un petit peu un effet ressort. La mer remonte. Il y a des endroits où ça continue à être dynamique,
Donc il y a de l'accrétion, puis il y a des endroits où du coup bah, ça va être en délicatesse ou en tous les cas susceptible, et d'où un rochement, etc. Et là on déplace le problème un peu chez le voisin. C'est un autre sujet, mais ça renvoie à ce que disait Olivier Chabert, ce sont les solidarités soit littorales sur le trait de côte, là je fais exprès, hein, soit dans la profondeur. Donc le sujet est vaste, il y a des secteurs en érosion, des secteurs en accrétion, des secteurs stables, des secteurs qui ne bougent pas, hein. Les falaises de lac bougent assez peu. Et puis on a voilà, le sujet est, comment dire, on a aussi d'autres éléments. On peut parler de polder naturel, effectivement c'est un sujet, enfin en tous les cas c'est un secteur en accrétion, ben c'est un gain. Voilà. Et puis des secteurs qui se colonisent, on a les herbus en baie du Mont-Saint-Michel qui gagnent également, parce que les fonds de baie s'engraissent, s'exondent naturellement. Donc c'est pour ça qu'on parle de restauration d'un caractère maritime, mais on sait qu'une baie, eh bien, elle monte. Enfin, la vase, les sédiments augmentent, puisque les fleuves apportent des sédiments. Ils en apportent de moins en moins, mais ils en apportent encore un petit peu. Et puis la mer dépose des coquillages, des éléments qui font que l'ensemble s'augmente, s'élève. Merci. On avait une deuxième intervention d'une étudiante en architecture à Rennes qui, pour son projet de fin d'études, travaille sur la commune de Blainville-sur-Mer et qui, bah voilà, qui souligne que face aux enjeux du littoral, c'était également l'enjeu était aussi de repenser nos manières de construire dans ces espaces-là et de trouver d'adapter les constructions. Alors je ne sais pas qui dans... Je, voilà. peux peut-être apporter quelques éléments d'éclairage en fait. Alors tout à l'heure j'étais un petit peu généraliste dans mon propos, mais aujourd'hui en fait dans le cadre justement du réchauffement climatique et des enjeux littoraux, avec le contrat de transition écologique, on a mis en œuvre un champ d'action, plusieurs actions. Il y a notamment trois projets qu'on appelle de recomposition, de recomposition de territoire, de recomposition de projets de communes, voire même qui peut aussi se réfléchir dans une dynamique intercommunale, soit entre communes littorales, comme le disait tout à l'heure Régis, les Maris, ou alors entre littoral et rétro-littoral. Blainville, alors c'est il y a ce qu'on appelle le Havre de Blainville, donc il y a la commune de Blainville qui est concernée, la commune d'Agon-Coutainville autour du Havre de Blainville. Et là, effectivement, on a une réflexion de recomposition. Ça veut dire aujourd'hui, on sait que ce secteur-là est soumis à une forte pression, un fort risque aujourd'hui. Hein, c'est travailler sur ces différents pas de temps, ça veut dire dans un premier temps, pour pouvoir réfléchir de manière sereine, on va et se projeter, hein, construire une vision, donc construire cette recomposition, c'est comment on tient compte de ce risque. Mais c'est vraiment pour pouvoir se projeter et donc pour pouvoir entamer une réflexion et construire un projet de recomposition, travailler plus dans l'épaisseur, c'est-à-dire ce qui est en littoral, vraiment les pieds dans l'eau, entre guillemets, hein, qui va poser question d'ici 15, peut-être 20, peut-être 50 ans. On va se dire peut-être dans un premier temps, on va faire ce qu'on appelle la résilience. Donc on va travailler à l'aménagement ou au réaménagement ou l'adaptation des sites vraiment les pieds dans l'eau. Et petit à petit, on va préparer la recomposition, c'est-à-dire travailler dans l'épaisseur, regarder autour de la commune, autour des bourgs existants, etc., des bourgs qui sont à côté, comment on va pouvoir petit à petit, alors on appelle ça relocalisation, on appelle ça repli stratégique, grosso modo, c'est voir comment on peut accueillir ces activités-là qui demain ne pourront plus rester parce qu'elles seront plus les pieds dans l'eau, mais pratiquement submergées d'une certaine manière. Et donc, et travailler la question des réseaux aussi. Ça questionne aussi la question des réseaux. On parlait tout à l'heure de la voirie, mais tous les réseaux d'assainissement, tous les réseaux d'adduction d'eau, les réseaux électriques, etc. Comment on engage aussi cette réflexion autour des réseaux pour remonter ça. Hein, quand je dis remonter, c'est remonter de l'eau, hein, de sortir de l'eau. Hein. Et puis aussi, voir aussi comment on peut travailler, aménager aussi changeant en fait la façon de voir les choses, c'est-à-dire il y a peut-être des activités et il y a certaines activités de toute façon qui ont besoin de la proximité immédiate de l'eau, hein. Je parle là par exemple de la conchyliculture, et c'est de voir comment on peut dans l'avenir, dans la recomposition
soit faire évoluer ces sites-là, soit aménager avec la mer, avec l'eau, en fait. Et ça, c'est très nouveau, parce qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on a nos plans de prévention des risques, etc. Et donc, on a des règlements, en fait, qui imposent des normes de constructibilité, etc. Et l'adaptation, c'est aussi peut-être regarder différemment en se disant comment on travaille avec le risque, si c'est possible, parce que des fois, ce n'est pas possible. Des fois, on ne peut pas aménager, on ne va pas aller aménager dans des zones à risque, parce que de toute façon, on sait que c'est perdu d'avance. Enfin, ça veut dire que ça n'a aucun sens. Mais par contre, sur des secteurs, on sait qu'aujourd'hui, ils ne sont pas soumis à risque, mais peut-être dans 50 ans, ils le seront, ben, réfléchir à un aménagement différent, un aménagement peut-être réversible, ça veut dire qu'on pourra déconstruire, un aménagement qui va petit à petit s'adapter, qui peut monter avec le niveau de l'eau. Il y a des plateformes flottantes, par exemple, des choses comme ça, où on va travailler sur la question justement des réseaux à pouvoir encaisser en fait l'intrusion des eaux salines, donc la corrosion, etc. Donc c'est toutes ces questions-là. Et ça, le traduire aujourd'hui dans les documents de planification, c'est encore relativement complexe. La loi résilience et climat, vous l'avez dit tout à l'heure, Catherine Brunorine, en fait, va apporter des éléments aussi qui vont nous aider à le traduire, hein, de manière très concrète, parce qu'on va travailler le temps de la planification, les documents d'urbanisme, un PLUI, c'est quoi? C'est 10 ans, c'est 10, 12 ans, quoi. Mais pour en arriver là, on essaie vraiment de se projeter très, très loin, en fait. Très, très loin dans l'avenir, parce qu'un secteur qu'on va souhaiter aménager, il faut que dans l'avenir, ça tienne. C'est-à-dire que, sauf si vraiment on se dit aujourd'hui, OK, on va aménager de manière réversible. Mais ça veut dire, voilà, ça veut dire vraiment que dans 30 ans ou dans 40 ans, on prend le pari et on s'engage à désaménager. Voilà, c'est ça qui n'est pas très... Si je peux juste apporter un témoignage par rapport à ce qui vient d'être dit sur le repli, la relocalisation, la question des réseaux, on a aussi la question des stations d'épuration qui sont sur la bande littorale. Donc moi, j'ai le cas dans ma commune à Genève, mais il y en a d'autres. Voilà, avec une station qui, de toute façon, est inondée quand il y a des inondations, potentiellement submersible puisqu'elle fait partie du marais. Hein. Et donc là, on va carrément l'effacer. C'est-à-dire qu'on travaille sur les réseaux et sur le rejet des effluents vers la commune qui est en rétro-littoral, la commune de Bassilly qui va nous accueillir avec une extension de la station d'épuration et donc un effacement de la station d'épuration de Genève qui se trouve vraiment sur une zone. Et quand il y a des inondations, il y a les réseaux, il y a les stations et les communes littorales ont vraiment cette problématique-là avec un enjeu sanitaire énorme. Puisque on sait, l'hiver dernier, là, les inondations qu'on vient d'avoir, il y avait beaucoup, plusieurs, on va dire, stations d'épuration sur le littoral, qui en fait, les rejets partaient directement dans les cours d'eau, dans le milieu naturel, parce que elle ne pouvait plus faire son travail, étant donné qu'elle était inondée. Donc ça fait aussi partie, tout ça, du repli et des infrastructures, et il faut peut-être même commencer par là. Moi, je voudrais compléter aussi avec, peut-être pour faire écho aussi à ce que tu disais, Laurence, sur la création, c'est que les architectes ont aussi de la créativité à développer pour imaginer justement des formes de construction légères, réversibles, qu'on peut déplacer, qui vont pouvoir accompagner justement ces replis stratégiques ou ces délocalisations ou ces relocalisations. Ça fait écho aussi à des choses qu'on a vues lundi dernier, la rencontre sur la reconstruction. Une photographe qui travaille sur tous les baraquements qui sont arrivés en Normandie, qui ont été ou offerts par des États pour reloger la population après-guerre, et qui sont aussi, qui pourraient, en tout cas moi ça m'a fait cet écho-là, qui pourraient être source d'inspiration, puisque énormément fréquents en fait sur notre territoire normand, et qui pourraient être inspirants aussi pour une génération d'architectes qui doit répondre à des priorités d'hospitalité et d'accueil de population, soit en temps de crise, soit aussi, on disait tout à l'heure, Régis, vous disiez que la Normandie allait être aussi, et le littoral allait être très attractif, enfin, il l'est déjà, mais ça risque aussi
de s'accentuer avec le temps, avec le réchauffement dans d'autres parties de la France ou d'autres parties du monde. Et du coup, il y a vraiment un chantier aussi assez enthousiasmant qui s'ouvre aux créateurs, aux ingénieurs, aux architectes, aux designers, pour imaginer justement des solutions aussi, mais sans partir de rien, en fait. On part déjà d'expériences locales, on part de savoir-faire peut-être aussi ancestraux ou locaux qui apparaissent dans des fouilles, qui sont visibles dans les musées, les petits musées traditionnels de nos territoires. Et tout ça est source d'inspiration pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui. On a des demandes, hein. Alors je ne sais pas sur ma commune, moi j'ai des demandes de collectifs pour trouver des terrains, pour de l'habitat collectif, partagé. Donc effectivement sur des formes démontables, légères, en particulier cette nouvelle génération d'agriculteurs. Enfin voilà, après tout le monde n'a pas envie d'habiter dans du collectif, hein, donc il faut pouvoir répondre. Mais on a déjà cette demande. Donc je pense qu'effectivement, les architectes peuvent aussi, il y en a qui travaillent hein, sur ces nouvelles formes d'habitat partagé. Et moi, je n'ai pas forcément les terrains, je ne peux pas forcément répondre, parce que ça, ce n'est pas des choses qu'on a anticipées dans nos PLU à l'époque, et donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Justement, je voulais rebondir, parce que je trouve ça intéressant, parce qu'aujourd'hui, cette question du réchauffement climatique et du patrimoine, entre préservation, adaptation, recomposition, en fait, elle nous oblige en fait à travailler différemment, même dans les documents de planification, les documents d'urbanisme, parce que les documents d'urbanisme, on produit un règlement, on produit un zonage, et aujourd'hui, on a des nouveaux outils, c'est les orientations d'aménagement et de programmation. Donc ça peut permettre plutôt poser des projets, en fait. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie vraiment de travailler le sens, le projet, et d'intégrer ces problématiques-là de réversibilité, de modularité, de vivre ensemble, d'espace partagé. Parce que quand on parle de densité, quand on parle aujourd'hui, on dit on va devoir construire sans foncier. Sans foncier, parce que la loi résilience climat, petit à petit, va nous amener aussi à ça. Hein, l'objectif zéro artificialisation nette, ça veut dire la question des friches. Et en fait, ça interroge aussi, on a une aire de mise en valeur du patrimoine et de l'architecture à Coutances et autour de Coutances. On travaille sur le recensement du patrimoine avec les communes pour savoir qu'est-ce qu'on va faire du patrimoine demain. L'isolation thermique, les questions d'énergie, les questions d'habitabilité aussi des logements vacants, des anciens logements, hein, du patrimoine qui fait patrimoine, ça pose question aujourd'hui. Ça pose vraiment question et on essaye de se projeter en disant oui, on peut préserver, mais on peut aussi faire évoluer ce patrimoine. C'est-à-dire que le patrimoine, il est vivant. Et d'une certaine manière, on peut préserver une certaine partie de ce patrimoine parce que ça fait sens, mais on peut aussi lui permettre d'évoluer. Et tout l'enjeu, c'est de savoir là où on va placer le curseur. C'est de savoir comment, qu'est-ce qu'il va falloir préserver dans le patrimoine et comment on va pouvoir le faire évoluer avec dedans des incursions, des greffes de constructions contemporaines, des idées nouvelles de nouveaux architectes. Là, on a reçu des jeunes architectes qui viennent et qui nous disent ben « Nous, notre concept, c'est la maison en paille, en roseau et tout. Il y a tout ça sur le territoire et on met tout dans des gaines. La maison, si elle est entretenue, elle tient bien. Le jour où on s'en va, on tire les fils des gaines, l'électricité, etc., l'assainissement, etc. Et la maison, elle va se dégrader toute seule, en fait. Et c'est ça aussi, ça nous interroge beaucoup, hein, parce que dans la planification, dans les plans locaux d'urbanisme, etc., c'était pas des logiques, en fait, qui existaient. Hein. Et en fait, rentrer dans ces logiques-là, ça veut dire aussi réinterroger les règlements. Et les règlements, ça veut dire aussi les travailler, les formuler de manière complètement différente pour pouvoir justement, produire de l'innovation, en fait, produire de l'adaptation, tout en préservant et en valorisant le patrimoine existant. Alors, les fenêtres en PVC, etc., ouais, c'était vraie problématique. L'isolation par l'extérieur, alors qu'on a un bâti en pierre, etc., c'est des vraies problématiques. Et donc, comment on travaille, justement, le devant, le derrière, le dessus, le dessous, l'intérieur de ce bâti-là aussi. Hein. Ça, c'est
petit à petit, on chemine et petit à petit, on essaie d'apporter des réponses qui conviennent, entre guillemets, à tous. Voilà. Parce qu'il y a des enjeux économiques derrière, des enjeux d'identité, des enjeux culturels, des enjeux environnementaux, etc., politiques. Oui, je crois qu'effectivement, les enjeux, ils sont multiples et pas toujours dans un premier abord associés, on va dire. Ils peuvent même être contradictoires quand on les regarde de loin. Et c'est vrai que du coup, effectivement, cette question de savoir ce qu'on fait aujourd'hui pour des conditions de vie actuelles, c'est important. C'est de se dire aussi que la sacralisation du patrimoine ne doit pas se porter en fait sur une cathédrale, un château, effectivement, où on prend ces deux-là et le reste, finalement, on peut faire ce qu'on veut avec. Il y a vraiment cet enjeu de se dire que le patrimoine, c'est un élément global. Et c'est que dans un bourg, effectivement, c'est aussi l'ensemble des bâtiments qui composent la ville. Et de se dire qu'effectivement, la région travaille beaucoup sur l'attractivité des bourgs, la revitalisation des centres-villes. Et de se dire effectivement, qu'est-ce qu'on fait avec ces bâtiments qui sont des voies un peu en déshérence, avec des problèmes locatifs, parce qu'on ne trouve pas. Et que finalement, c'est plus facile de faire construire un pavillon à 10 km. Mais effectivement, la question du foncier, de l'étalement urbain, c'est pas, on le sait maintenant, ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Tout en sachant qu'effectivement, cette richesse de bâti, on l'a déjà, en fait, à l'intérieur. Alors, on a procédé, fut-il un temps, dans les années 60, à décimer des quartiers qui étaient insalubres pour reconstruire autre chose. Alors, c'était peut-être pas forcément un bon choix à l'époque, on ne sait pas. Voilà, ça pose aujourd'hui d'autres problèmes. Mais il faut aussi se dire que ce qui a été construit à l'époque devient notre patrimoine à l'heure actuelle. Et là, c'est aussi tout un questionnement. C'est de savoir ce qu'on construit à l'heure actuelle, c'est qu'est-ce qu'on laissera pour les générations futures. Parce qu'on ne peut pas se contenter de se dire que le patrimoine, ça s'arrête au XXe siècle et qu'après, il n'y a plus rien. Et que du coup, nos formes constructives, on fait ce qu'on veut. C'est cette nouvelle prise en compte d'un patrimoine qui existe déjà. Alors comment l'adapter, le revaloriser en fait aux yeux des gens ? C'est toute la question. Et là, c'est aussi la question de toutes les écoles d'architecture qui doivent intégrer ça dans leur programme. Et être architecte à l'heure actuelle, on le voit bien, c'est pas forcément que construire des grandes choses. C'est aussi savoir prendre en compte la réalité actuelle, les besoins et ce qui existe déjà. Et ça, en discutant avec des professeurs d'école d'architecture, on voit que ce n'est pas toujours encore la généralité et que c'est certains professeurs qui amènent cette petite graine à germer parmi leurs élèves. Et on en rencontre, on en a vu lundi, qui ont des idées et qu'il faut vraiment promouvoir. Et puis de se dire, effectivement, un bâti de la reconstruction, on sait, les défauts qu'il a au niveau isolation thermique, phonique. Mais se dire que sa façade, c'est sa richesse. Et effectivement, on peut très bien isoler un bâtiment par l'intérieur. Alors, ça réduit un peu l'espace de vie, peut-être, mais ces bâtiments-là étaient conçus pour être grands, déjà. Donc, il y a des choses à jouer. C'est savoir regarder, parce qu'effectivement, sur des bâtis reconstruction, on va se dire, en regardant, finalement, c'est tout pareil. Donc, si on en enlève deux ou trois, ça c'est pas grave. Finalement, non, ils ont tous leurs particularités. Les architectes de l'époque, ils n'ont pas reconstruit à Caen comme ils ont reconstruit à Coutances, comme ils ont reconstruit à Trévières. Et c'est cette richesse-là aussi de ces architectes qui ont tenté des expérimentations à l'époque, qui est bonne à garder, à faire comprendre et à sensibiliser les habitants pour qu'ils les conservent et pour qu'on puisse, dans les générations futures, avoir un patrimoine de plus, en fait. Puisque l'idée, c'est que le patrimoine, ce sont des petites briques qui s'accumulent. Et ces petites briques, c'est notre culture à nous. C'est le fait que on a une culture française, mais on a aussi une culture dans la Manche, dans le Calvados, qui n'est pas tout à fait la même. Et c'est notre richesse de pouvoir à la fois la préserver et à la fois la partager. Parce que on parlait d'attractivité des centres-villes, des littoraux. C'est des gens, c'est des touristes qui viennent nous voir. Et c'est pas juste leur dire on a une belle plage. Mais on a plein d'autres choses aussi à vous montrer, et notamment notre architecture, notre culture, et le fait de la partager.
Oui, Régis, je crois qu'il y a une dernière question. Ouais, enfin, c'était la mienne. si je peux. Non, en fait, alors pour peut-être Cyril Biard ou Stéphanie Dupont, en fait, je me demandais en fait quels exemples on avait dans l'histoire de comment ces politiques patrimoniales ont pu se mettre en place ou réagir dans des situations de crise, en fait. Là aussi, alors je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais je pensais à la reconstruction, où, si j'ai bien compris, par exemple, il y avait un certain nombre de constructions qui étaient seulement endommagées et qui ont été rasées pour faire place à la reconstruction. Et on peut comprendre que dans une situation d'urgence de relogement, voilà, il y a des choix qui sont faits de façon assez rapide et qui sont légitimes. Et du coup, je me demandais si on avait des exemples comme ça dans des situations de crise, comment ces approches du patrimoine se sont jouées, et à la lumière de ça, s'il y avait des enseignements à en tirer sur ce qui nous attend demain, en espérant que ce soit un peu moins, un peu moins difficile à vivre. La dernière grande crise, ça a été la Seconde Guerre mondiale dans le département, mais c'était pas une crise climatique. Ça a été certainement, à certains égards, ça a été des opportunités pour le patrimoine, puisque dans l'après-guerre, il y a eu le mouvement porté par l'abbé Le Légard. Il y a eu des choses quand même qui se sont passées. Mais sinon, effectivement, c'est, en l'occurrence, c'est un mauvais exemple, puisque c'est une période où effectivement, la priorité était au relogement. Mais est-ce que justement, confronté à cette situation-là, il y a des règlements qui ont changé rapidement, il y a des choix qui ont été faits, vous voyez, enfin, c'est ça que je m'interrogeais. Il y avait un objectif en termes patrimonial, mais c'était du patrimoine mémoriel, dans l'immédiate après-guerre, c'était de conserver la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc dès les années 46-47, l'État a pris des décisions pour qu'on puisse conserver les grands sites de la Seconde Guerre mondiale, qui étaient la Pointe du Hoc, la batterie de Longue, etc., pour pouvoir exercer l'exercice de mémoire. Mais à ce moment-là, donc le terme de patrimoine avait un sens extrêmement large. Et c'était vraiment une mission mémorielle. Ce n'est que dans un second temps que, progressivement, les vestiges de la Seconde Guerre mondiale, ils sont passés dans le champ patrimonial plus classique. Et même, ils deviennent aussi des vestiges archéologiques, puisqu'on en intervient aussi sur ces vestiges-là. Mais c'est un mouvement qui est extrêmement, extrêmement lent, clairement. Je vais compléter. Finalement, en fait, ce qui se passe, c'est souvent que le patrimoine, en fait, il arrive, enfin, en tout cas, il apparaît quand lui est en crise. Enfin, ça a été le cas avec la Révolution. Voilà, on s'est aperçu qu'il fallait conserver des choses. Le patrimoine industriel, il a subi aussi ce même rythme. C'est dans les années 60, quand les entreprises ferment massivement et qu'on décide de les faire disparaître pour effacer l'échec aussi. C'est là où certains vont se dire, mais attendez, il faut peut-être conserver quelque chose. Et on sait que le patrimoine industriel, il a cette particularité d'être lié énormément à l'humain et d'avoir besoin de temps pour cicatriser et devenir patrimoine aussi. Donc il y a aussi tout ce qu'on parlait tout à l'heure de friche. C'est aussi compliqué de se dire que ce qu'il faudrait, c'est parfois sacraliser la friche quelques temps pour permettre de voir ce qu'on peut en faire plus tard. Et là, effectivement, dans l'idée du réchauffement climatique, d'urgence, c'est encore plus compliqué parce qu'on se dit que finalement, ce n'est pas la priorité des choses et qu'en plus, si on ne sait pas où va se retrouver ce bâtiment dans quelques années, à quoi ça sert de le conserver finalement. Et puis, il y a une autre chose sur le patrimoine, en tout cas la réaction vis-à-vis du patrimoine au moment de la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, on a choisi dans certaines villes de refaire des reconstructions à l'identique de certains monuments historiques. À l'heure actuelle, quand on passe devant,
finalement, à Caen, quand on passe devant l'église Saint-Pierre, ou après, j'ai oublié le nom de l'hôtel, voilà, j'en ai un tout, les hôtels de Scully, voilà. Finalement, on ne s'aperçoit pas que ce n'est pas quelque chose qui perdure depuis des siècles, que c'est un bâtiment qui a été entièrement reconstruit après la Seconde Guerre mondiale. Mais en tout cas, l'image qu'on a voulu en garder, c'est bien celle qui existait avant. Et donc, il y a plein de... Voilà, des choix, ils ont été aussi faits selon les architectes, selon les architectes urbanismes à qui on a confié chaque ville. Puisque dans les églises de la Manche, par exemple, beaucoup de petits villages ont connu des églises reconstruction, qui fait leur richesse à l'heure actuelle et qui est reconnue en tant que telle. Mais dans certaines villes où le patrimoine devait être plus visible, là, on a choisi de le conserver et de le reconstruire. Merci. Donc on va clore cette discussion. Je crois que Régis, vous vouliez dire un dernier petit mot pour clôturer. Avec le micro, effectivement. C'était là sur patrimoine naturel, parce que du coup, le sujet est un peu anxiogène sur le littoral, qui est sous pression. Et on a une double pression de la mer qui monte. Et quand même, faut quand même le rappeler, et tout ce qui est évoqué ici, c'est aussi de l'implantation humaine. Et on sait que les littoraux sont très attractifs en France, en Normandie comme ailleurs. Et on a une note d'espoir, quelque part aussi, c'est qu'on a les outils aujourd'hui pour penser demain. Et donc, du coup, le point de vigilance, c'est qu'on sait dès à présent où, je dirais, il ne faut pas se surexposer. Et donc, du coup, les littoraux de demain, pensons vraiment demain et après-demain pour éviter de surajouter des populations dans des zones à risque. Ça, c'est, je pense, c'est obligatoire. Et puis, notre espoir aussi, c'est que les espaces naturels sont des formidables amortisseurs. Donc là, je vais faire un plaidoyer pro domo pour le conservatoire, mais bon, pas que. Hein. Les espaces naturels, les espaces dunaires, les zones humides, tous ces espaces qui parfois ont une mauvaise presse, aujourd'hui, en fait, ont des éléments d'amortisseurs de crise climatique, de crise de tempête. Et donc aussi, c'est aussi un message de réappropriation, à la fois par les collectivités, c'est le cas, mais aussi par les populations, pour que du coup, il y ait un regard qui change. Parler d'outils pédagogiques, je pense qu'on en a vraiment besoin pour que du coup tous ces espaces naturels, même que ce soit, enfin quel qu'il soit, aujourd'hui on en a besoin, mais demain on aura encore plus besoin. Donc, voilà, c'était aussi notre espoir, par rapport à un sujet qui est l'effondrement de la biodiversité, et ce seront potentiellement les derniers refuges si on est dans des espaces sous contrainte, voilà, de pression humaine et d'élévation du niveau de la mer. Merci. Ah ben, ce ne sera pas tout à fait le dernier mot. Olivier ? Un tout petit mot, parce que je trouve que dans les discussions, le débat qu'on a, en fait, ça renvoie. Alors, parler effectivement d'outils pédagogiques, et ça, on en aura vraiment besoin. Ça renvoie à la question de le patrimoine, il renvoie à la question de l'identité, il renvoie à la question de la culture, il renvoie aussi à ce qu'on est, à notre histoire. Et en fait, aujourd'hui, le réchauffement climatique, cette crise, en fait, on est dans une crise, hein, dans une transition, ça nous interroge sur ce que nous, en urbanisme, on appelle le récit, en fait, la question du récit. Et c'est qui on est, donc ça, la crise, elle nous interroge sur qui on est, d'où on vient, et surtout, aujourd'hui, c'est quelle histoire on veut, en fait, comment on veut construire notre monde de demain, en fait. Et c'est en fait c'est tout ce qu'on essaye de faire ensemble. En fait, c'est d'essayer d'inventer, parce qu'on ne le connaît pas. Et c'est de se projeter, d'inventer ce monde de demain, juste peut-être en essayant d'éviter ce qu'on a fait par le passé, en tout cas ce qui nous a amené à cette crise. Et puis justement, le patrimoine, c'est de dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'on va préserver, conserver ? Qu'est-ce qu'on va laisser si on laisse, par exemple, des espaces qui demain seront submergés par la mer? Est-ce qu'on va déconstruire, renaturer, ou est-ce qu'on va laisser? Est-ce que ça va être un témoin du passé qui va raconter notre histoire et qui va dire, ben voilà ce qu'on a fait, ce qu'on laisse? C'est le témoin. Et cette question du récit, pour nous, elle est très importante, parce que c'est ce qui peut nous permettre aussi d'avoir des outils pédagogiques et d'avancer tous ensemble, en fait, main dans la main, pour arriver à se comprendre. Parce que l'enjeu, il est là, il est dans cette histoire partagée qu'on se construit ensemble, en fait. Bah, c'est une très belle conclusion. Merci. Merci, Olivier. Merci à tous. Voilà, Cyril, Catherine, Laurence, Olivier, Martial, Régis, Stéphanie. Et puis à vous tous qui nous avez suivis cet après-midi. Rendez-vous
samedi prochain à Val d'Allière pour une rencontre autour du patrimoine immatériel, réinventer les rites territoriaux. Voilà. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.